merci beaucoup de votre présence. On est là tous ensemble, bien entendu, pour le travail qui a été fait par la société RPM et Éric Renaud, qui vous a fait rencontrer tous ensemble pour mettre en place ces deux magnifiques minibus. Le carnet de voyage pour cette année est déjà presque plein. Donc merci à tous, parce que ce que vous faites là, c'est pas non seulement une publicité que vous faites, mais c'est surtout un travail remarquable, parce que ça nous permet à nous de pouvoir déplacer nos sportifs. Je tenais à dire qu'à titre personnel, je suis très heureuse d'être partenaire de la VGA parce que je partage beaucoup de valeurs, que ce soit les valeurs du sport, les valeurs humaines, les valeurs de la combativité, de la ténacité. Moi, j'ai toujours aimé le sport et j'attache beaucoup d'importance un petit peu à toutes les associations de sport, aux jeunes sportifs et aux bénévoles. On a plusieurs techniciens qui vivent sur sa mort. Donc, en partenariat avec les techniciens, ils étaient très heureux de savoir qu'on aidait la VGA. Nous sommes Saint-Maurien depuis plus de 5 ans et pour nous accompagner d'autres sociétés, d'autres structures telles que la VGA était une action que l'on voulait mettre en œuvre et qui s'inscrit pour nous en tout cas dans la durée. Cette initiative, elle est dans l'inscription totale de notre projet personnel parce que nous sommes conseillers en immobilier, donc des projets de famille. Ne pas participer à effectivement des actions pour la ville, ça ne rentre pas dans notre ADN. On a créé cette année ce qu'on appelle Collectif Sport, avec l'aide de Véronique Barret, qui est là présente avec nous, qui nous a formés pour suivre les sportifs de haut niveau et essayer de les aider dans leur reconversion ou la préparation de leur reconversion. C'est le premier mois de mon partenariat avec la VGA, je dirais 100% de réussite. Hein. En fait, on ne se pose même pas la question de savoir si on est fier, mais je crois que ça fait partie de nous, le partage. Une belle rencontre et beaucoup de choses encore à construire ensemble. Oui, je pense.